dois vraiment y aller, là. Mmh. Attends, mon chéri, je vais t'aider. Tiens. Merci. Voilà. Merci. Oh, tu es parfait comme ça. N'est-ce pas qu'il est beau, mon nounours? Oh. Mais oui, il est beau. Bon, allez. Attends, ta cravate. Voilà. Merci. Non, c'est je dois vraiment y aller, je vais être en retard. Allez. Au revoir. Merci. Au revoir, les filles. Au revoir, Théo. Au revoir, Théo. Au revoir, le nounours. Ah, les filles. Depuis que j'ai rencontré Théo, je suis vraiment une autre femme. Avoir un homme à soi, c'est vraiment génial. Ben ouais. Vous devriez essayer, les filles. On peut essayer Théo? Mais ça serait vraiment génial si vous étiez aussi heureuse que moi. Ah. Ah, merci, Claire. Dis tout de suite qu'on est nuls, c'est ça? Mais non, ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Non, simplement, si on y réfléchit bien, on ne peut pas dire que vous fassiez beaucoup d'efforts. Quoi? Nous? Oui, toi en particulier, Karen. Tiens, rappelle-toi, hier soir avec Arnaud. Mm. Il craquait complètement pour toi. Et toi, tu lui as à peine adressé la parole. Oh, Arnaud? Arnaud, il croquait pas du tout sur moi, c'est pas vrai. Mais si, et moi, je te dis que tu l'intéressais. Pas vrai, les filles? Ça, on peut pas dire le contraire. Karen, tu peux pas nous dire que tu t'es rendu compte de rien? Non, mais vous délirez complètement, là. Ose dire que tu lui déplaisais. Bah, enfin, c'est normal dans ce contexte-là. Écoute, il se retrouve à un dîner avec une de ses anciennes patientes. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il lui pose des questions, il demande de ses nouvelles, puis voilà, c'est tout. C'est drôle, hein? La tête d'Arnaud quand il a reconnu Karen. Et la tête de Karen quand elle a reconnu Arnaud. Non, mais elle est fille, alors là, j'aurais voulu vous y voir. Non, mais je vous assure, ça fait un drôle d'effet quand vous êtes comme ça à une table en face du chirurgien qui vous a opéré de l'appendicite. Surtout quand il est beau comme Arnaud. Oh. Il est mignon, non? Allez, avoue que je le trouve mignon. Dis donc, Claire, si tous les anciens copains d'internat de Théo lui ressemblent, on devrait demander à Théo de les inviter plus souvent à la maison, non? Je pourrais peut-être rencontrer quelqu'un qui m'a opéré. Toi, à mon avis, t'as plus de chances de tomber sur quelqu'un que t'as croisé dans d'autres circonstances, si tu vois ce que je veux dire. Ça n'empêche pas les retrouvailles touchantes. Bon, allez, Karen. Si jamais Arnaud parle de toi à Théo, qu'est-ce que tu feras? Ou qui téléphone? Qu'est-ce que tu ferais? Oh, mais je ferais rien. Je ferais rien parce que c'est pas du tout mon genre, voilà. Ah, la menteuse. Bon, d'accord. Arnaud, il est pas mal, mais je vous jure que... Non, franchement, vous faites des idées, hein. Tu vois, quand je te dis que tu ne te donnes pas de mal... Et puis après tout, je vois pas pourquoi on parle de ça. Pourquoi on parle de ça, hein? Mais t'as toujours pas répondu à ma question. Qu'est-ce que tu ferais s'il téléphonait? Eh ben, je ferais rien du tout. Tu sais pourquoi? Parce que je sais qu'il appellera jamais, voilà. Et si c'était lui? Mais vous allez arrêter avec votre Arnaud, commencez à m'énerver. Arnaud. Allô? Arnaud. Oui, bonjour. Oui. Ah non, non, je suis désolée, mais là, je suis pas libre pour le déjeuner. Non, je... Oh, bah, c'est pas grave, hein, c'est... Une prochaine fois? Oui, une prochaine fois. Oui, mais on dit ça, d'accord. Ok, au revoir. C'était lui? C'était Arnaud. Allez, raconte-nous. Bah écoute, non, c'est quand même drôle parce qu'il voulait m'inviter là, à midi, à déjeuner. Et alors? T'as refusé? Bah, oui, ça, bien sûr. J'ai refusé. Oh non, alors? Qu'est-ce que t'es nul? Monsieur Gérard! Oh, monsieur Gérard, me dites pas que ça vous intéresse pas! 700 téléphones portables à 300 francs pièce, monsieur Gérard! Mais enfin, monsieur Gérard, vous en gardez un? Vous revendez les 699 autres? C'est à quoi faire fortune, ça? Regardez, monsieur Gérard, regardez bien. Oui. Hop, clic! Il s'ouvre et clac! Il se ferme. Enfin bon, c'est pas grave, hein, ils sont garantis. Alors? Mais même s'ils sont garantis, où je vais les trouver, moi, les 699 acheteurs? Hein? Vous les fournissez avec vos téléphones? Monsieur Gérard, vous avez des amis, de la famille, des connaissances, un garçon gentil, comme vous. Vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas 699 amis, hein, monsieur Gérard? Non, bon, ben là, vous m'agacez, monsieur Ramirez. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Enfin, monsieur Gérard, un joli petit lot comme ça, on le laisse pas passer.
Non, mais non, c'est non, c'est non, c'est non, c'est comme ça, c'est tout. Bon, j'ai compris, monsieur Gérard, j'insiste pas. Je vous laisse réfléchir, je repasse tout à l'heure. Sinon, tu m'as fait peur, j'ai cru que c'était... T'as cru que c'était quoi, Gérard? J'ai cru que c'était monsieur Ramirez. C'est seulement nous. Bonjour, toi. C'est bonjour. Karine, mais qu'est-ce que t'as? T'étais toute chose. Non, non, mais y a rien du tout. Non, non, rien. Elle a seulement fait une bêtise. Une bêtise? Racontez-moi, les filles. Y a un super chirurgien qui a flashé sur Karen. Non, c'est pas possible. Si, si, non, mais c'est même incroyable. En fait, c'est un ami de Théo qui est venu dîner hier soir à la maison et il a reconnu Karen. C'était une de ses anciennes patientes. Non, mais c'est génial. On lui a dit qu'il avait complètement craqué sur elle, seulement elle voulait pas le croire. Ce matin, il a téléphoné pour l'inviter à déjeuner. Non, mais c'est super, ça, Karen. Elle a refusé. Non. Mais pourquoi? Laissez-moi, écoutez, vraiment... Non, t'as pas voulu nous le dire? Eh bien, tu le dis à Gérard. Mmh. Eh bien, vous m'embêtez, là. Bah écoute, c'est vrai quoi, Karen? C'est un super chirurgien, je comprends pas. Bah c'est parce que je suis pas présentable. Voilà, Gérard. Mais comment ça? Bah écoute, dans la vie, il y a des moments où, quand tu te regardes dans la glace, tu trouves... Oui. Tellement moche, tellement tarte que t'as envie de te coller des baffes. Mais Karen, ça va pas, t'es ravissante. Oh, tu parles, je suis vraie. Je suis hideuse, alors. Non, bah, je sais bien, en plus, j'ai pris un kilo, alors. Mais ça se voit même pas. Non, bah moi, je le sais. Et puis, je le sens. Et puis, c'est pas tout, j'ai un bouton. T'as un bouton? Où ça? Bah, regarde, là. Regarde. Ah, bah, si, il se voit. Oh, non, il y a strictement rien. Strictement rien. Moi, je le sais. Enfin, c'est ridicule, Karen. T'as jamais été aussi belle de ta vie. C'est dans ta tête. Mmh. Bah si c'est dans ma tête, vu l'état où elle est ma tête, je préfère qu'on en reste là. Mais non, Karine, il faut que tu lui dises oui pour ce déjeuner. Mais oui, c'est peut-être la chance de ta vie. Bah oui, parce qu'après on vieillit, et puis alors là, c'est complètement fichu. Hein. Mais oui, elle a raison. Bon, et puis attends. Tu prends le téléphone et tu l'appelles immédiatement devant moi, je te regarde. Mais oui. Allez. Voilà, comme alors, c'est vraiment parce que vous assistez, hein. C'est parce que vous le demandez, parce que sinon... Jamais j'aurais un bon, ouais. T'as son numéro dans ton carnet? Oui, alors toi, tu commences pas, hein, Steph. Voilà. C'est ça, c'est ça. Ah, Arnaud? Ah, vous avez reconnu ma voix? Oui, c'est moi, c'est Karen. C'est... Arnaud, alors, voilà, je voulais vous dire que finalement, pour le déjeuner de 13h, j'ai réussi à me libérer. Oh, c'est mignon, ce que vous me dites, là. Oui. Ah bah je sais pas, on peut se retrouver... la salle de gym, par exemple. La salle de sport. Ah, d'accord. Bon, bah... À tout à l'heure, à 13h, alors. Mm. C'est ça. Oui, à 13h. Tu te sens mieux? Oh là là, ça va super bien, les filles. Oh là là. Ça va super... Merci, les filles, merci. Oh, mais c'est rien, je t'en prie. Celle-là, comment vous la trouvez, celle-là? Super. Tu peux en dire d'extra chouette, super bien. Merci, sympa, les filles. De rien. Seulement la 12e robe que tu nous montres, alors tu vois, on a l'habitude. C'est déjà la 12e? Oh là là, mon Dieu, je vais être en retard. Oh là là. Ah, au fait, vous savez où est Claire? Elle est partie faire un câlin à son nounours. Seulement la 12e fois que tu nous poses la même question. Je suis désolée, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Ça le demande. C'est peut-être ton rendez-vous avec Arnaud. Tu sais, le type qui craquait pas du tout sur toi et qui te laissait totalement indifférente. Oh là là, mon Dieu. Si jamais elle redescend avec une nouvelle robe, j'ai trippé. Moi, c'est si elle me demande encore où est passée Claire. Oh, déjà, Claire avec Théo, c'était dur, mais si Karen en a maintenant aussi, parle pas de malheur. Mais tu veux me dire pourquoi elle trouve toutes des médecins et pas nous? C'est exactement la question que je me posais. Oh non! C'est pas si c'est la dernière fois. Non, promis, juré. Non, c'est la dernière fois que je vous pose la question. Allez, soyez chic, les filles, regardez. Est-ce que celle-là, elle vous plaît davantage? Hein? Pas du tout.
Stéphanie a raison, ça te grossit terriblement. Je sais pas, avec ça là, on a l'impression que t'as pris 300 grammes. 400. 450 même. Et la couleur. Mais comment tu peux sortir avec un truc pareil? Ah, si jamais tu voulais mettre tes boutons en valeur, tu trouves pas mieux, hein? Ah ouais. Bah, moi je trouve qu'elle me va ravir, cette robe. Ouais, elle est superbe. D'ailleurs, je crois que Arnaud va l'adorer. Ah oui? Alors pourquoi tu nous poses la question? Pourquoi? Eh bien, comme je sais que vous êtes quand même un petit peu jalouse, je me suis dit que la première robe que vous alliez critiquer, eh bien, ce serait forcément celle qui m'irait le mieux. Alors, merci de m'avoir aidé à choisir. Hein. De toute façon, je vous en veux pas du tout d'être jalouse. Hein. C'est normal. Arnaud et moi, il est tellement craquant, Arnaud. Et dire que c'est nous qui avons insisté pour qu'elle le rappelle. Oh non, mais c'est pas vrai, lui prend la main. Mais arrête, ils vont se rendre compte qu'on les regarde. Et tu crois toujours qu'il a sa main sur la sienne? Et comment tu veux que je le sache? Tiens, qu'elle nous a même pas invités et qu'elle nous a demandé de la laisser seule avec lui. Oh là là, t'aurais vu ta tête quand elle a dit qu'elle voulait pas qu'on vienne à sa table. J'ai cru que t'allais avoir une crise cardiaque. Moi? Oh, c'est plutôt toi, hein, qui a failli avoir une crise cardiaque. Attends, je regarde discrètement. Bon, allez, ça va. J'en ai marre, on y va? Ah oui, j'allais te proposer. Allez, fille, j'ai le petit service à vous demander. Ah bah oui, quand tu veux, ce que tu veux. Hein. Voilà, Arnaud aimerait bien prendre le thé avec moi. Eh ben bravo, ça avance. Encore un petit effort et vous irez jusqu'au dîner? Vous pouvez même enchaîner sur le petit déjeuner directement pour le moment. Non, mais arrêtez de plaisanter. Non, voilà, j'ai vraiment un service à vous demander parce que, bon, Arnaud voudrait prendre le thé avec moi, mais il préférait que ça soit chez moi. Chez nous, tu veux dire? Enfin, justement, c'est là qu'il y a un problème. Ah oui, c'est nous le problème? Non, écoutez, soyez chic, enfin, comprenez-moi, ce serait sympa que vous me laissiez l'appart 2 ou 3 heures, oui? 2 ou 3 heures, pourquoi vous allez boire combien de thé hier? Arrête, Steph. Non, mais... c'est vraiment lui qui le veut, quoi. Ça lui ferait super plaisir. Attention, ma chérie. Ça fait au moins 8 fois que tu dis « Arnaud veut absolument ceci, Arnaud veut absolument cela. » Tu finis du mauvais coton. Et oui, hein, si tu commences à lui céder et à lui faire toutes ses 4 volontés, t'imagines dans 6 mois? Bon, d'accord, ça me ferait très plaisir aussi. Mais enfin, bon, écoutez, soyez chez vous. Vous voulez pas me prêter l'appartement 2 ou 3 heures? Oui, bon, d'accord. Bon, de toute façon, il vaut mieux qu'on cède, parce que dans 5 ans, on y est encore. Ah, c'est super, chaque fois que vous accepteriez. Vous êtes des amours. Moi, oh, vous êtes des amours. Merci, merci. Pardon. Non, mais ça veut dire que tu prennes le coup de main, maintenant. Ah. Bon, tends-les de bord. Tends comme ça. Voilà, tu les poses. Tu poses. Voilà. Ensuite, tu remontes les 2 coins sur les 2 bords. Voilà. Et ensuite, tu tends. Tends comme ça avec les 2 mains. Voilà, comme... Bah, les filles, vous partez? Oui, on y va. Ah oui. Et comment ça se passe, alors, avec Karine? Oh, pour elle, très bien, très bien. Très, 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 très bien. C'est pour nous que ça se passe beaucoup moins bien. Ah bon? Pourquoi? Bah, non, parce qu'en fait, on va bientôt se retrouver à la rue, il paraît qu'on gêne. C'est pas vrai, mais qu'est-ce qu'elles font? Sabine, Steph, mais enfin, qu'est-ce que vous fabriquez? Laisse-nous le temps de nous préparer. Oh, mais il arrive dans 5 minutes. Et alors, c'est un drame si on le croise? Non, c'est pas un drame. Enfin, si vous croyez que c'est facile pour moi. On nous chasse et c'est pour toi que c'est difficile. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il faut qu'on disparaisse tout de suite. Ah, c'est parce que t'as peur qu'on le voit, c'est ça? On va pas te le manger. Non. Ton Arnaud. Mais bon, d'accord, mais enfin, attendez, si vous partez au moment où il arrive, ça va être un peu gros, non? Ah non, au contraire, moi je trouve ça beaucoup plus naturel. Oui, choupi. Dites donc, d'accord, jusqu'à présent vous étiez super sympa, hein? Mais justement, vous n'allez pas vous mettre à tout gâcher maintenant. Bon, alors on va faire comme on avait dit. Vous allez prendre votre petit sac, tiens, voilà, voilà, et puis vous allez partir. Hein? Parce que lui, il va pas tarder à arriver. Alors, ah, voilà, oui, tu te lèves, voilà. S'il te plaît, t'es mignonne, et puis on se dépêche. Voilà. Hein? Voilà, on se dépêche. Non, mais soyez sympa. Allez, voilà. Hein? Bonjour, Arnaud. Bonjour, Arnaud.
Bon, bah, vous êtes en retard, hein, les filles. Vous partez? Oh, on allait faire des courses, mais finalement, c'est pas si pressé que ça. Ah, bah, tu sais qu'on t'attend, là. Si, il t'attend, vous allez être en retard. Bah, je crois qu'il faut qu'on y aille. Dommage. Là, voilà. Un petit peu à l'heure, hein. Au revoir. Bonjour, au revoir. Vous prenez votre temps, hein. Oui. Voilà, prenez tout votre temps. Karen, ça me fait tellement plaisir de vous revoir. Moi aussi, ça me fait très, très plaisir. J'ai préparé un thé, je crois qu'il est délicieux. Si vous voulez, on s'installe. Karen. Oui. Karen, vous êtes... Vous êtes tellement désirable. Non, mais attendez, je vous en prie, Arnaud. D'abord, je voudrais être sûre. Ne craignez rien. Je ne suis pas comme ces hommes qui ne s'intéressent qu'à la beauté extérieure des femmes. Ce qui me plaît chez vous, ce que j'aimerais mieux connaître, c'est ce que vous avez en vous. Je vous promets de vous respecter. Bon, mais écoutez, je vous propose qu'on s'asseye, d'accord? Et puis on va prendre un thé. D'accord. Voilà, tout est prêt. J'espère que vous aimez le thé, hein. Oui. Voilà. Ah, j'oubliais. Oui. J'ai quelque chose pour vous. Vous avez quelque chose pour moi? Oui. Ah. Pour vous seul. Ne vous retournez pas. C'est une surprise. Ah, c'est une surprise! Oh, j'adore les surprises. Vous allez adorer, je suis sûr. Voilà. Vous fermez les yeux? Oui, je ferme les yeux. D'accord. Oui. Je peux pas tricher. Vous êtes prêts? Oui. Hop. Oh, mais... Vous n'avez pas vu Benoît, je cherche partout. Nous? Non, on l'a pas vu. Ah oh bah c'est fâcheux ça. Bah il devait montrer le fonctionnement des vélos à Mademoiselle Lola. Il a disparu. Mademoiselle Lola, c'est la fille qui est danseuse aux Folies du Nord? Oui, c'est ça, une très bonne cliente. Mais je la trouve pas non plus. Bizarre. Ah bah oui, c'est bizarre quand tu dis. Ah bah ça, c'est étrange aussi, hein. De toute façon, j'ai que des ennuis, moi, non? Enfin, Benoît qui disparaît, l'ascenseur qui reste bloqué, moi, je te jure. Eh oui, il y a des gens comme ça. Oh, on parle pas, ma chérie, on parle pas. Les filles. Eh ben alors, ça va pas? Merci, merci. Pas vous laisser abattre, mais la vie est belle. Il fait beau dehors, la vie est merveilleuse, je vous dis. Merveilleuse. Dites, c'est vraiment pas le moral de savoir que Karen a peut-être rencontré l'âme de sa vie. Ah, hein? Ça me rend drôlement le moral, même. Ça se voit pas. J'aime pas vous voir comme ça. Hein. Oh, c'est vrai. Oh, encore des amours, regardez. Un amour, ça m'émeut toujours. Amour, toujours. C'est chouette, ça rime, non? C'est chouette. C'est nouveau, surtout. Arnaud, vous avez vu Arnaud? C'est très important. Non, pourquoi? Il est pas avec Karen ou moi? Mais si, il est avec Karen. Oh, mon Dieu, c'est horrible. Où? Bah, à la maison, parce que Karen nous a demandé de la laisser seule pour boire le thé avec Arnaud. Oh là là. Il n'y a pas une minute à perdre. Pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Je vous expliquerai après. Gérard, venez avec nous. Vous aussi. Vite. Qu'est-ce que c'est? Attention. Mais non, mais Théo, il est bloqué. Quoi, il est encore bloqué? Mais oui. Vous n'appelez pas, oui, je vous... C'est bon, je... Et ben, Benoît. Bonjour, mademoiselle Lola. Vite. Mais qu'est-ce qu'il y a? Vite. Alors quoi? Gérard. Bon, ben, expliquez-nous. Arnaud, je l'ai rencontré il y a très longtemps, pendant mon internat. Et hier, j'ai reparlé de lui avec un collègue, médecin, qui m'a dit qu'Arnaud avait été radié du Conseil de l'Ordre. Il est devenu fou. Oh mon Dieu! Et il est pas dangereux, au moins? Mais si! Il est persuadé qu'il a laissé dans le ventre des patients qu'il a opérés au début de sa carrière un tas de choses qui lui appartenaient. Alors maintenant, chaque fois qu'il rencontre un patient de cette époque-là, il cherche à l'opérer à nouveau. Mais Karen était l'une de ses patientes. Mais oui! Mais voilà, c'est de ça qu'il parlait! Tu sais, quand on écoutait derrière la porte, il disait à Karen que c'était pas son aspect extérieur qui l'intéressait, mais l'intérieur. Oui. Oh oui, mon Dieu. Oh mon Dieu, mon Dieu. Mais c'est horrible. Mais vite. Le chloroforme commence à perdre de son effet. Je vais lui faire une piqûre et elle se rendormira.
Ils vont voir si je suis fou. Ils m'ont radié de l'ordre des médecins sans me laisser prouver que j'avais raison. Je suis sûr que c'est pendant son opération que j'ai perdu ma chevalière. À l'époque, j'étais jeune et inexpérimenté. Ils vont voir si je suis fou. Je vais la retrouver, ma chevalière. Qu'est-ce que c'est? Mais Arnaud, c'est moi, c'est Théo. Ne fais pas ça. Arnaud, je vous en prie. Mais Arnaud, réponds-moi. Ah, ils veulent m'empêcher de prouver que je ne suis pas fou. Mais Arnaud, tu m'entends? J'ai sa radio, tu avais raison. C'est elle qui est la chevalière? Oui. Et ça se voit très bien sur la radio. Tu ne peux pas opérer sans ces radios, tu avais raison. Je savais, j'en étais sûr, je savais que j'avais raison. Non, mais... Ah! Ma chevalière! Ah, traître! Je ne suis pas fou! Bah, arrêtez de boucher, vous allez vous faire mal! Tenez-le! Gérard, tenez-le un peu, je vais aller voir ce qu'elle a! Karen, réveille-toi, je t'en prie! Non, ça va, il a juste endormi au chloroforme, je crois qu'elle va se réveiller dans 2 secondes. Oh, Karen! Là! Traître! Oh, j'ai dû m'endormir. J'ai fait un rêve bizarre. J'étais avec Arnaud. Il était mon chevalier servant et moi, j'étais sa chevalière.